Bonjour. Plutôt bonsoir, parce que là il est tard, il est ouais, 19h30. Bon, j'en profite que Louis se soit barré pour prendre un petit peu la caméra, parce que sinon j'ai pas de temps d'écran et après je suis deg et je pleure et je pars en dépression. Voilà, bref, vous avez compris. Donc je viens vous donner un petit peu des nouvelles, parce que ça fait 3-4 jours qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc, les dalles sont creusées. Bon, il reste encore pas mal à creuser, mais le problème, c'est qu'on a besoin d'une bonne mini-pelle parce que c'est compliqué. C'est compliqué à creuser. Apparemment, j'étais pas là pour le creusement, creusage, creusion pour le trou. Et donc, du coup, j'ai pas vu à quel point ils ont galéré. Mais apparemment, c'est assez difficile. Donc il nous reste à creuser à peu près 80 cm pour le banc et encore une vingtaine de centimètres pour la deuxième dalle. Donc voilà. Sinon, ça commence à prendre forme. Ah, il y a mes chaussures. Merci Louis. Donc voilà. Et sinon, on a avancé un petit peu sur l'accueil. Donc je vais vous montrer un peu ça. Maintenant qu'il n'y a personne, je peux parler tout seul sans être pris pour un fou. Même si c'est bizarre. Hein. Franchement, c'est bizarre comme sensation. Hein. Donc l'accueil. Bon, attends. Je vais commencer par le début, ça sera mieux. Donc l'accueil se termine, je vais enlever ma tête. Voilà. Et en plus, il a un toit. Donc voilà. Bon, c'est à l'envers, mais vous avez compris le principe, hein. C'est Louis qui a écrit, hein, c'est pas moi, parce que moi je fais pas des conneries comme ça. Et on a une petite nouvelle. Bon, je vais passer par l'intérieur, on va pas voir grand chose parce que du coup, sans le toit, c'est compliqué, hein. On a fait une petite installation temporaire parce que on va arrêter de piquer du courant à notre voisin. Donc, on est parti de ça là-haut. Je sais pas si vous verrez grand chose. Et on s'est fait un petit hop. Et on a enfin notre propre courant. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais faire une marche arrière, je vais me latter. Donc voilà, on a notre petite maison ambiance cosy avec mon petit bureau en bordel parce que je monopolise toute la place. Donc on a une petite lampe. Mais bon. Il va en falloir un bon petit paquet parce que c'est un peu compliqué sinon. Donc voilà. Donc du coup, je vous mets un peu la vision vue du bureau, du premier bureau en tout cas. Donc côté fenêtre ici, vers là. Ça sera la fenêtre qui donne sur l'atelier. De l'autre côté, la porte pour aller chez les clients. Ou les clients pour aller chez nous, au choix. Et ici, en fait, du coup, on aura également. Ah, c'est décalé. On aura également une fenêtre là. Ici. Là, 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 là. Donc voilà. Je vais essayer de décaler la lampe, histoire qu'on voit quelque chose. Enfin, voir quelque chose, c'est un grand mot. Bon, il faut qu'on voit. Faut qu'on voit pour mettre des fenêtres, du plexi ou quelque chose, parce que sinon les clients vont repartir au courant. Mais voilà, on a une porte qui se ferme magnifiquement bien. Avec le petit doigt. Donc voilà, c'est un peu les news. News d'aujourd'hui. Donc voilà. Louis, tu vas râler parce que t'es pas sur la vidéo, mais je m'en fous en fait. Donc voilà. Ouais, mes blagues sont pas aussi drôles que celles de Louis, mais bon, je fais ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Donc voilà, je vais essayer de vous remontrer encore une fois le toit.
Donc voilà, moi maintenant je vais m'en aller. Donc du coup, je me casse l'esprit tranquille. Ciao, bon dimanche alors qu'on est jeudi.